Salut, c'est Nick91 et bienvenue pour le 22e épisode du Let's Play de Pokémon XD. La dernière fois, on s'était laissé ici même après avoir capturé un Sécateur et le Vénard. Donc évidemment, on va continuer notre aventure et c'est parti en prenant l'ascenseur. Ok, donc apparemment, il y a plusieurs passages. Ou pas. Non, là c'était un cul-de-sac. Donc on va rentrer dans le globe. Putain, en tout cas, ça sent le boss. Oh putain. Bah, comme je disais, enfin moi je disais ça par rapport à l'autre qui était devant le globe. Mais bon. En tout cas, ça commence fort bien. Bumper, hahaha, comment on se retrouve? Mon plan était parfait. Mes seules erreurs ont été Angeline et Donosaur. Complètement inutile ces deux-là. Le mec qui n'assume pas du tout. Et toi, tu as déjoué tout ce que j'avais prévu pour Phénacit. Et à cause de cette horrible donzel, toute la région de Rhode a pu suivre mon humiliation à la télé. Pour obtenir le pardon du maître Malafide et pouvoir prétendre au titre de gouverneur de Rhode, je dois te battre. Cette fois, je vais me battre à fond sans retenue. Non, c'est vrai que la dernière fois, tu te retenais. Enfin bref, donc, on se bat contre Ombre Vumper là. Ouais, Metang et Marest, s'il veut. Ok, Fismas et Blockwad, faut que je fasse vachement gaffe à son Marest en revanche. Donc, je vais faire retour sur Marest et tonnerre sur Metang. En plus, c'est un full battle. Donc, faut que je fasse gaffe. Bon, voilà, Metang, il n'était pas très difficile. Ensuite, Cizayox. Ah ouais, quand même. Bon, enfin bon, là, Cizayox, il est pas trop terrible en 3G, hein, par rapport à ses attaques. Ok, il résiste, évidemment. Tire debout, putain. Bon, ça va, il vise Fismas second. Ok, donc, du coup, franchement, je vais me débarrasser de ma reste et je vais faire abri sur Blockwatt, au cas où. Bon, argenté, c'est parfait. Quoique il peut me faire mal avec cette attaque, hein, parce que les attaques de type insecte étaient de catégorie physique. Voilà, Fismas niveau 47, c'est parfait. Ensuite, Solarok, je pense qu'il est obscur. Ouais, bingo, putain. Bon bah on va encore s'amuser. Bah je vais faire casse-brique sur Solarok. Normalement il n'y a pas trop de risques. Et tonnerre sur Cizayox. Ok. Ciel noir, oh putain. Pas cette attaque, sérieux. Vas-y, vont argenter si tu veux. Ouais, ça va, il me fait pas trop mal. Mais il faut que je fasse gaffe parce que vent argenté est une attaque qui peut faire augmenter toutes les statistiques. Donc il faut que je fasse vachement gaffe en fait. Ok, bon bah il défonce hein, son propre allié. C'est parfait. Ok, là, ils sont bientôt... Enfin, Blockwatt est bientôt au niveau 48, Morpheo. Non, dis-moi pas qu'il est obscur. Ok, parfait. Allez, casse-brique sur... sur Morpheo et je vais paralyser Solarok. Pour me préparer à le capturer. Je sais qu'il a ses chances de capturer, lui aussi. Enfin, bon. Enfin, quand je dis comme quoi les Pokémon sont assez chiants à capturer, c'est parce que quand je jouais dans les versions... C'est que je m'acharnais à vouloir les capturer avec des Pokéballs, hein, je précise. Donc c'est sûr qu'avec une Hyperball, Super Ball, c'est autre chose. Hein. Lance-flamme. Ouais, si tu veux. Ouais, il fait rien du tout. Allez, casse-brique, dégage, rentre chez toi. Voilà, merci.
Ok. Ensuite, je pense qu'il a un Pokémon obscur. Staros. Oh putain, parfait, Staros. Ah, j'attendais ce Pokémon. J'attendais. Ok, j'espère juste que j'aurai le temps de paralyser Staros. Donc allez, casse-brique sur... ouais, je vais la faire bien un petit peu encore. Encore un petit peu, et je vais paralyser Staros. Brume noire, ça va, il m'attaque pas. Bon, quand tu veux, bon. Si cela prend du temps, hein, comme d'hab, hein, je vais faire une ellipse ou accélérer la vidéo, mais bon. Dégage éclair. Casse-brique, s'il te plaît. Enfin, pas de coup critique, normalement, voilà, quoi. Ah ouais, franchement, si j'avais fait un coup critique, je pense que je l'aurais mis KO, en fait. Hein. Folie noire, oh putain, on fait chier, lui. Enfin bon. Ouais, d'accord. Mais c'est surtout ça qui fait perdre du temps là. Franchement, c'est vachement chiant là. Bon, allez, quand tu veux là. Bon, je vais essayer de capturer ce Larock. Allez, c'est parti pour l'Hyper Ball. Il m'en reste 5 déjà. Voilà. Et je vais faire. Ouais, je vais faire Abruit. Juste pour faire passer le tour. Vu que je peux pas utiliser deux fois le Snatch Ball dans le même tour, donc voilà. Vas-y, rentre dedans, allez. Encore une fois. C'est parfait. Cette fois, c'est au tour de Staros. Oh putain. Typhon noir. Ok. Waouh. Putain, mais Fismas, il fait que de mourir, putain. Ah ouais, tu la joues comme ça, toi. Ok. Si tu le veux, bon, du coup, je vais mettre Aquaquack pour pouvoir encaisser les attaques obscures. Puis voilà, quoi. Cette putain de pluie. Bon, écoutez ce que je vais faire, hein. Je vais accélérer la vidéo jusqu'à ce que je capture Staros. Donc, à tout de suite. Ok, c'est parfait, j'ai capturé Staros du premier coup. Bon, ça va, en fait, il était pas trop difficile à capturer. Donc voilà. Mon plan, je croyais qu'il était parfait avec sa pose de merde. Ah, mon plan parfait, pardonnez-moi maître Malafide. Ok. Alors, est-ce que je peux prendre l'ascenseur là? D'accord. Ok. Oh putain, je tombe nez à nez contre un sbire. Oh putain. Putain, je voulais soigner mes Pokémon en plus. Ok, guerrier ombre Mounir. Karatroc et l'euphorie. Ok, Alcim et Kalion, c'est parfait. Surtout Kalion par rapport à l'euphorie, comme ça il pourra toucher dans le. Taper dans le physique. Donc elle est abri et je vais faire séisme. Bon allez, peut-être que je vais one shot l'euphorie, c'est pas sûr, on verra.
Évidemment, Karatrogt, hein. Karatrogt, ok. Karatrogt résiste. Ouais, comme je disais, le Fury ne résisterait pas. Enfin, j'en étais plus que sûr, en tout cas. Bon, donc, Karatrogt, c'est un Pokémon... ouais, qui a d'excellentes défenses. Je pense que c'est le Pokémon qui a de meilleures défenses. Enfin, qui a des meilleures défenses, même. Que ça soit dans le spécial ou le physique. Puis voilà, quoi. Mais en revanche, bon, il est pas trop terrible. Il est quand même pas trop terrible, quoi. Bon, en tout cas, on va l'enchaîner. Tu peux faire patience, mais bon, moi, j'ai pas de patience. Voilà, dégage. Oh, ça va, je lui fais mal quand même à Smogo. Souvenir. Ouais, d'accord. Le mec qui me fait ça alors que... C'est son dernier Pokémon, là. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Trop bête. Je suis désolé de t'avoir retenu. Ah bah, c'est pas maintenant qu'il faut s'excuser, hein. Donc ce que je vais faire, hein, je vais soigner mes Pokémon et en plus je vais mettre Staros dans ma team. Donc voilà, vous l'aurez deviné, ça sera Staros, le sixième Pokémon de ma team. Donc je vous dis à tout de suite. Donc nous revoici, hein, c'est bon, j'ai mis Staros dans ma team. Donc du coup, à partir de maintenant, je vais faire que de l'entraîner. Du moins, je vais le laisser en tête de ma team. Comme ça, il assistera à tous les combats jusqu'à ce qu'il soit... jusqu'à ce que sa conscience, sa barre de conscience soit à zéro. Donc voilà. Ça faisait longtemps, tu te souviens de moi? Je t'ai aidé à Paramaré, tu n'as pas oublié, n'est-ce pas? Ce n'est pas la peine de me remercier, je ne faisais que punir un inconscient qui avait utilisé un Pokémon obscur en public. À l'époque, personne ne devait être au courant des attentions du groupe Ombre. Je pensais que tu étais un enfant ordinaire. J'étais loin de penser que tu deviendrais une menace pour le groupe Ombre. Assez parlé. Tu as eu les capacités nécessaires pour arriver sur l'île Ténébra. Fais-moi une démonstration. Ok, c'est parfait. Combat contre un boss. Contre Artus. Il est d'elle et à la Kazam. Ok, là c'est parfait. Là ça va être un bon combat, je sens. Allez, Staros, go. Et H-Sim. Ah ouais, lui, il commence déjà. Putain, et les Dell Pokémon Obscur. Ok, 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 ok. Donc, Bélier Noir, bah, je vais faire sur Alakazam, tiens. Puis, je vais faire Protection aussi. Là, je vais pas jouer le fou. Ciel noir, oh non, mais non, pas cette attaque, sérieux. Ouh, ça, ça fait assez mal. Ok. Ensuite, Hipporoi, si tu veux. Oh, putain. Non mais en fait c'est surtout cette attaque qui fait trop perdre du temps et franchement ça m'a envie d'accélérer la vidéo mais bon contre un boss franchement voilà quoi. Donc du coup on va perdre un petit peu de temps dessus mais ça me fait vraiment chier. Allez, Hipporoi, Bélier Noir. Et ouais, je vais essayer de capturer en attendant parce que j'ai peur qu'il envoie un Pokémon derrière Hipporoi en fait. Il me reste bientôt plus d'Hyper Ball. Ouais, et l'Edel, un Pokémon très très rapide. Hein. Franchement, j'aime bien ce Pokémon. Hein. Pokémon de la 3ème génération. Mais je trouve sympa. Mais il a des défenses de merde. Ouais, d'accord. Il joue difficile. Ok, Bélier Noir, lui aussi. Putain, mais il fait mal. Il fait vachement mal. Malgré que j'ai mis la protection, voilà quoi. Draco souffle. Mais non. Putain, mais il m'enlève bien l'enfoiré. Ah là, je sens que ça va être hard. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être hard.
Donc allez, je vais faire Bélier Noir sur Elendel et Psycho sur Hyporoi. Voilà, dégage. Voilà, Assis niveau 48, c'est parfait. Scarino, ok. Bon, ça va, il n'est pas obscur, donc ça peut aller. Ouais, bah, franchement, si tu peux continuer à attaquer Staros, ouais, ça serait cool, en fait. Hein. Oh, putain, cette putain d'aura obscure. Bon, allez, c'est reparti. Qu'est-ce que je vais faire? Bon bah je vais tenter de capturer les Dell. Hein. Bon quitte à gâcher des hyperboles mais bon voilà quoi. Et Psycho sur Scarino. Vas-y là. Putain mais qu'est-ce que tu fais de compliqué sérieux? Putain t'es qu'un Elendel, t'es pas non plus un Mewtwo quoi. Bon, en même temps, il est en pleine forme, mais bon. Putain, heureusement que j'ai appris l'attaque psycho plus tôt que prévu, parce que je sais qu'il la prend au niveau 49, il me semble. Donc, j'ai vachement bien fait. Electek, ok, d'accord. Là, il n'y a que des bons Pokémon, là. Bélier Noir. Vas-y, ne touche pas à HSM, s'il te plaît. Ok. Bon, cette pluie-là, c'est quand elle veut. Enfin, l'aura obscure plutôt, mais bon, ça ressemble plus à de la pluie qu'une aura obscure. Enfin bon. Alors, putain, c'est vraiment chaud, chaud, chaud. Je vais continuer à taper Elendel et je vais faire morsure sur Electek. Je pense que là, Alcim va être KO. Mais bon. Putain, j'enlève pas grand-chose, quoi. Lui avec son attaque bélier noir là, il est vachement craignos. Typhon noir, décidément. Bah écoutez, hein, ce que je vais faire, hein, je vais carrément faire une ellipse parce que sinon là, il sera encore demain. Donc à tout de suite. Ok, c'est bon, je les ai enfin capturés. Donc, comme vous l'avez vu, il y avait un Ronflex dans l'eau. Donc, 3 Pokémon obscurs. Franchement, j'en ai vachement chié. En plus, il a bien défoncé ma team. Donc, voilà quoi. Bon, on va pouvoir continuer. C'est problématique si rien n'est fait. Ah, franchement, j'en ai bien chié. Je ne vous le cache pas. J'aurais dû te prendre plus au sérieux et agir bien plus tôt. Les choses ne sont plus de mon ressort. Je dois te confier au maître Malafide. Mais ne pense pas que c'est terminé, je n'abandonnerai pas mes rêves. Ok, trace ta route, toi. Ok, donc... Attendez, avant de prendre l'ascenseur, je préfère soigner les Pokémon, on sait jamais. Donc voilà, Alcim, Blockwatt... Et briques et des chaos. Donc voilà quoi. Pour vous dire de la manière dont donc j'en ai chié en fait. Allez, on les soigne tous. Bon, s'il y a une machine en bas, c'est pas grave. On s'en fiche, mais bon. Là, franchement, vaut mieux être prudent. Voilà. Ensuite, je vais mettre Kalion, évidemment.
Donc là, le problème, c'est que je ne pourrais pas utiliser l'attaque séisme avec Staros. Donc voilà. Allez, continuons, c'est parti. Ok, donc on peut pas utiliser, c'est pas grave. Donc bah écoutez, cette fois on va rentrer dans le globe. On a presque fini, je vous promets pas de le finir dans cet épisode, mais on a presque fini. Ok, d'accord, bon c'est pas grave, allez, on va se soigner. Je m'en doutais un peu, mais bon. Je vous promets pas de finir l'île Ténébra dans cet épisode, mais je pense que dans le prochain, il y aura des chances, quoi. Je sais que cela a été très très long, mais bon. Ok. Oh oh oh, quelle surprise, tu as battu Artus. Tu as battu beaucoup d'autres personnes aussi. Je ne devrais pas être si surpris. Ah non, vaut mieux que je fasse la voix quand même. Cela fait longtemps que je ne me suis pas autant amusé. J'ai une certaine admiration pour la force. Toutefois, je ne peux pas te permettre de nous gêner. J'ai presque atteint mon objectif. Oh, le sourire de Pédovir. Je pense que pour l'instant, je vais te tenir à l'écart. Tu ne feras pas un pas de plus. Ok. Mais en fait, le mec, il a peur, c'est tout. Donc ouais, apparemment, je peux pas passer par ici. Bon, bah, on va prendre l'ascenseur. Ok. Non, mais c'est vrai, je peux rien faire là pour l'instant. Putain. Ah, je peux pas passer quelque part ici, là. Ok, comme il veut. Bon, bah, on va retourner en arrière. On va voir ce qu'il y a. Ok, parfait. Donc là, on va se battre contre le singe de Donosaur, là. Enfin, Donosaur le singe, plutôt, c'est mieux. Hé, hé, c'est moi. Tu sais, je suis presque content de te voir. Mais il faut que tu arrêtes de gagner à chaque fois qu'on se bat. Non, sérieusement, c'est pas bon pour moi. Le maître Malafine m'a donné une dernière chance de me racheter. Mon ultime chance. Si j'échoue. Ouais, d'accord, si j'échoue. Ok, si j'échoue, c'est fini pour toi. Donc là, en tout cas, dans cet épisode, hein, c'était riche en combats contre des boss. Bragada et Orsari. Ok. Allez, Staros et Kalion. Ok, bon, apparemment Staros enfin sa barre de conscience ne diminue pas beaucoup. Donc voilà quoi. Bon allez, on va enchaîner Ragada. Puis voilà. Et en plus ça ring. Enfin bref. Oh bah c'est parfait. En plus Oursaring utilise abri. Donc c'est parfait. Ouais normalement je dois le mettre KO ou pas, j'en sais rien. C'est rien encore. Ouais non, ouais je m'en doutais un peu. Ok, Staros s'énerve. Ouais, fait séisme, franchement c'est inutile. En plus elle n'est pas puissante. Enfin il n'est pas puissant. En plus il se blesse comme un con. Enfin bon. Alors. Je vais faire ouais, Bélier Noir sur Rogada. Et je vais faire Déflagration sur Oursaring. Ouais, on finish. Voilà, ça c'est fait. King, ok. Alors lui il est trop chaud. Bon ça va, il n'est pas obscur donc on s'en fout. Mais non, connard, on va coup critique. Enfoiré. Bon c'est pas grave. Donc je vais faire. Enfin je vais faire. Je vais mettre Block Watt. Voilà, c'est parfait. Et je vais faire abri avec Block Watt et je vais faire séisme avec Kalion. Normalement, je dois faire un double one shot.
Oh l'enfoiré. Ouais bah cherche pas, de toute façon, toi t'auras fait abri pour rien. Enfin, si juste pour te protéger de mon séisme, mais bon. Ok, c'est parfait. Ok, Calion bientôt au niveau 48. Pareillement pour Blockwatt. Ok, Morse. Ok. Ok, bon bah c'est parfait. Je vais faire tonnerre sur K-Morse et je vais faire. Ouais, je vais faire déflagration sur Oursaring. Ça devrait le faire. En plus, ça le touche, c'est parfait. Coup critique, bah tiens, ça c'est pour rendre le coup critique que t'as fait sur Star Rose, voilà. Voilà, Kalion niveau 48. Et aussi pour Blockwatt. Tartar, ok, donc lui il est obscur. Allez, tonnerre. OHKO hein, sur K-Morse normalement. Nickel. Donc je pense, je sens le double Pokémon obscur. Voilà, Monsieur Mime. Ok, donc là à partir de maintenant, faudra que je fasse gaffe. En plus là j'ai que des Pokéballs, j'ai utilisé tous mes Hyperballs. Donc voilà. Donc allez, on va faire KG Éclair sur Tartar. Et je sais pas, vas-y pour le fun, je vais faire déflagration sur Tartar aussi. Oui, il résiste bien évidemment. Typhon noir si tu veux. Ouais, ça va, il fait pas trop mal pour l'instant. De toute façon, du moment que j'ai le temps de paralyser Monsieur Mime, c'est bon. Oh non, pas ça. Ok, non, là ça va être chiant, je le sens encore une fois. Allez, on va paralyser Monsieur Mime cette fois. Et je vais faire encore déflagration sur Tartar. Histoire de l'affaiblir un petit peu, un chouïa. Parce que j'ai pas envie de prendre de risques avec séisme. Là, si je fais séisme, il y a de grosses chances que je fous les deux Pokémon KO, donc voilà. Ouais, tu fonds noir si ça t'amuse. Oh non, coup critique encore une fois, quoi. Putain. Bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai eu le temps de les paralyser, c'est ce qui compte. Voilà, nickel. Ok, bon. Il a foutu Blockwatt KO, s'il veut. D'accord, bon bah du coup, je vais mettre Alcim pour qu'il puisse utiliser son attaque protection. Ouais, l'aura obscure, ok. On s'en fout. Enfin, on s'en fout, non, parce que ça fait perdre du temps bêtement, mais bon. Allez, je vais faire protection et je vais... Bah, je vais commencer à capturer. Hein. Allez, sur Tartar, c'est parti. Vas-y, rentre dedans, même si j'en doute, mais bon. Ah bah si, bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ok. Ouais, Typhon Noir. Bon bah du coup là cette fois Kalion sera KO. C'est embêtant mais bon. Il fait vachement mal. Hein. Bon en même temps Alcim, enfin du moins Mentali est un Pokémon qui a une vieille défense physique donc du coup il prend cher. Ensuite
Ah bah je vais prendre Fismas, tiens, et je vais faire casse-brique sur Monsieur Mi. Ok, enfin j'ai capturé Monsieur Mime, hein, il était vachement chiant à capturer. Franchement j'ai pas du tout eu du mal à capturer Tartar, mais en revanche Monsieur Mime m'a bien fait chier. Mince, on est maudit, ouais ça tu l'as dit. Enfin bon, au moins ça c'est fait. Oh non, c'était ma toute dernière chance, le maître Malafide va me chasser. Comment est-ce que je peux continuer à perdre contre un gamin comme ça? Quelle honte! Ok. Bon bah écoutez, bah ça c'est parfait. Bah écoutez, ouais, on va se laisser ici. Bah merci d'avoir regardé le 22e épisode du Let's Play de Pokémon XD. Et moi je vous dis à très vite et portez-vous bien. Allez, ciao!